Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie. Réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle des quatre vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne volontairement afin que le côté yang soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature mère nourricière. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonçant fièrement la charge du micro d'argent. En plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille. Je sens l'esprit du félin envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir, je kiffe grave les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur. Je médite accroupi sous les branches d'un sol pleur. Je défends l'honneur de mon école fils. Les troisième œil scrute le terrain. La tactique à pratiquer pour balayer l'ennemi statique physiquement. Les déplacements furtifs de l'essence de mon esprit élaborent les bases de ma stratégie. Donc je me dresse dans des cliquetis bardés d'armes. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la clique des valeurs guerriers barbares d'ardard. J'ai envoyé perdre les lettres pour chasser les traîtres. Selon l'enseignement de mes maîtres, sans relâche je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à ce que le nom Braquage soit légende. Car le soldat guerrier alpha est à droit et lance l'assaut là sur l'école du micro en bois. La bataille est débutée, tiens ce coup vient d'un expert à la guerre, vaillant praticien des arts martiens, délégué pour mettre terme à ces horreurs. Tel est mon abeur, tu sais de qui je défends l'honneur.